Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons parler des soi-disant listings de certains crypto-monnaies sur Coinbase et sur Binance. Souvent, il y a certaines personnes, quand ils voient, on leur montre, regarde, ils voient réellement que c'est le site de Binance, c'est le site de Coinbase, ils disent, il y a un listing alors qui est en cours. Est-ce vrai ou faux? Nous allons découvrir ça jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement et surtout, surtout, active la cloche de notification. Je tiens à vous informer aussi, nous avons une confraternisation accompagnée d'une formation de 2 jours à Ouagadougou. Ceux qui sont à Ouagadougou, alors, ou bien qui veulent venir, nous laisserons descendre cette vidéo ou bien un message épinglé, notre email pour nous contacter si vous voulez participer à cette formation de 2 jours intensifs dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous voulez aussi un partenaire avec nous, le même email, rentrez en contact avec nous. Alors, aujourd'hui, de nos jours, nous avons remarqué que plusieurs personnes viennent dire, oui, telle crypto-monnaie est listée sur Binance, telle crypto-monnaie est listée sur Coinbase. Mais on ne voit pas les traces. Mais on remarque que effectivement, il y a les prix de ces crypto-monnaies qui apparaissent sur Coinbase et sur Binance. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui rapidement pour que tu ne sois pas victime d'un marketeur, des gens qui font de la pub tellement en disant que telle crypto-monnaie est listée sur Binance. Telle crypto va être listée sur Binance, sur Coinbase. Parce que regarde ça. Il y a certains qui ne comprennent pas grand-chose. On va vous expliquer tout à l'heure. Alors, Binance, nous tous, nous connaissons CoinMarketCap, ou CoinGecko, ou CoinPaprika, les sites de cotation, qui nous montrent le nom des crypto-monnaies, là où elles étaient listées, etc. Aujourd'hui, depuis quelques temps, les échangeurs aussi ont commencé par vouloir faire ce même modèle de, voilà, je sais pas, de travail comme les sites de cotation. Alors, c'est ça, regardez très bien. Supposons, on dit tous les crypto-monnaies, tous les crypto-monnaies. Voilà, vous allez sur Binance, voilà, et vous allez sur Price, prix. Hein? Je vais peut-être laisser sans dessous, et je peux dire en commentaire aussi de la vidéo. Prix. Vous voyez, donc ça, tous les crypto-monnaies. Vous voyez, donc, alors, je vais choisir une crypto-monnaie au hasard comme cela, BAT. Je choisis une crypto-monnaie au hasard, BAT. Vous allez voir que ici, on voit BAT et on voit ici. Quand tu vois ça au niveau de Binance, il faut savoir que ça a été pris en compte par Binance. C'est clair. Revenons derrière. Aujourd'hui, les gens nous disent que non, telle crypto-monnaie est déjà sur Binance. Ils sont en train de la lister. Non, 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 non. Faites très attention. Faites très attention. Alors, allons-y. C'est pas moi. À la page 101 pour voir. Voilà. Prenez une autre crypto-monnaie ici. Et il y a des cryptos des Elon Cola. Voilà. Je prends Elon Cola. Vous allez voir. Ici, on dit remarque, cette monnaie n'est pas listée sur Binance pour trader pour les services. Or, en premier lieu, ce que je vous avais montré, nous l'avons vu. Nous avons vu que il n'y avait pas ce message. Il n'y avait pas. Donc, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Il y a certains crypto-monnaies qui disent non, ça là, ça serait. C'est en train d'être listé sur Binance comme cela. Parce que je suis en train de voir. Non, ce n'est pas ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance, s'il vous plaît. Exemple, Save Dogecoin V2. On appuie sur ça. Vous allez voir le même message. Vous voyez, cette monnaie n'a pas été listée sur Binance. Donc, quand vous voyez ce message, sachez que c'est juste le prix que vous allez voir ici. Et quelques informations complémentaires. C'est tout. C'est tout. Attends, on va prendre une autre monnaie pour voir. Donc, beaucoup de prudence. Ça, c'est pour Binance. Maintenant, nous allons passer. Pour ça là, quand vous ne voyez pas ce message, soyez-en sûr que la monnaie est listée sur Binance. Vous voyez ça? Et donc la monnaie, si je vais sur le site de cotation, et comment appelle-t-on? CoinMarketCap, nous allons tous voir que réellement, cette crypto-monnaie est listée sur Binance. Je crois bien que c'est ça, oui. C'est ça, Market. Et on voit Binance. Ouais, elle est vraiment listée sur Binance. Donc, prudence. Allons-y sur Coin. Quoi appelle-t-on? Coinbase. Alors, sur Coinbase, pareil. Vous voyez, comme on avait vu ici, c'est pareil. C'est pareil. Ici, sur Coinbase, ils ont donné certaines choses plus intéressantes. Toutes les crypto-monnaies. Vous voyez, toutes les crypto-monnaies. Ceux qui sont tradables sur Coinbase. Tradables, ici. Ici. Vous voyez. Alors.
On dit tous les cryptos. Donc ça veut dire que quand tu prends le Bitcoin, c'est sur Coinbase. Quand tu prends ce que tu ne vois pas trading ici, c'est qu'ils ne sont pas listés sur Coinbase. Supposons. Prenons un exemple. Voilà. NER Protocol. Voilà, on va prendre ça, on va voir si réellement, vous voyez un peu. Ici, il a fait ce message en disant que quoi? Ce protocole n'est pas supporté par Coinbase. Donc, elle n'est pas listée sur Coinbase. Alors, supposons qu'on prend un autre. Je vais prendre un autre. Je vais prendre peut-être le Polygon. Quand on appuie, vous voyez ici, il n'y a pas ce message-là. Contrairement à ce message que vous voyez ici. Vous voyez ce message-là, ici. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas supportée sur Coinbase. Or, Polygon, elle est supportée sur Coinbase. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle est tradable sur Coinbase. Donc, beaucoup de méfiance. Vous allez voir, il y a plein de crypto-monnaies. Il y en a plein. Donc, c'est un site de cotation que Binance et Coinbase ont mis en place pour que les gens puissent voir le prix de certaines crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, et les gens disent que non. Quand ils voient ça là-bas directement, ça veut dire que ça va être listé. Non. C'est juste un site de cotation comme le fait CoinMarketCap ici. Donc, alors, cette vidéo, pour que toi qui ne savais pas, tu puisses être informé, pour ne pas tomber dans le piège des gourous du marketing à tout moment qui viennent dire, ah oui, parce que j'ai vu ça sur Coinbase, j'ai vu ça sur le site de Coinbase, sur CoinMarketCap, sur Binance, que ça va être listé. Non, ça ne veut pas dire que ça va être listé. Ça pourra l'être, mais pour le moment, elle n'est pas encore tradable sur Coinbase, sur Binance. Je t'ai montré comment il faut découvrir cela. Alors, demain, j'aime la vidéo. Laisse un commentaire à cette vidéo si ça t'a aidé. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.